Alors Dan Cardon présente une barre de son avec des caractéristiques multicanales. Tout à fait, Denis. Troisième génération de barre de son chez Herman Cardon. Nous avons sous les yeux la SB30. Alors on remarque déjà qu'elle est relativement large, hein, puisqu'on est sous un 46 pouces. Donc barre très large. Très large pourquoi? Parce que nous avons 13 haut-parleurs qui sont intégrés dedans. Ces 13 haut-parleurs vont effectivement permettre, comme on le voit ici, en comparaison avec un système 5.1 voire 7.1, va pouvoir jouer dans la même cour. A savoir qu'avec cette seule barre de son, vous allez recréer un système complet, virtuel, comme si nous avions les 7 enceintes, 8 enceintes même installées dans votre pièce. Nous avons donc des algorithmes qui vont permettre, selon la position de la barre dans la salle et la taille de la pièce dans laquelle va jouer cette barre de son, avec tous ces réglages, vous pourrez optimiser l'ambiance virtuelle surround qui sera diffusée par cette barre de son. En plus, nous sommes les premiers à proposer le Dolby Volume dans une barre de son, chose que nous avions l'habitude de voir dans les amplificateurs audio-vidéo. Aujourd'hui, nous l'avons directement dans cette barre de son. Je rappelle que les barres de son chez Herman Cardon, dont la SB30, a pour vocation de remplacer les haut-parleurs du téléviseur. Et donc, l'ensemble des sources qui vont être connectées à la télé vont être diffusées au niveau audio sur la barre de son qui est connectée au téléviseur uniquement par un câble audio, analogique ou digital. Bien entendu, pour faire fonctionner cette barre de son, nous avons une petite télécommande multifonction pour tous les paramétrages, notamment de la barre de son. Et pour agrémenter le tout, dans une configuration de cinéma, il nous fallait bien entendu un caisson. Caisson que nous avons ici, c'est un 20 cm alimenté avec 200 watts, donc relativement puissant, et qui va fonctionner, comme on le voit ici, sans fil, puisque nous sommes sur une transmission audio en Wi-Fi. Disponibilité début novembre et positionné normalement à 899 euros. Avec le caisson? Avec le caisson, bien entendu. Dans le système complet. Le système complet.